Je me suis littéralement chié dessus. Bon les potes, aujourd'hui, nouvelle vidéo avec le sans faste encore. J'espère que vous allez bien. Bon, du coup, je viens juste de partir de chez moi, donc comme d'habitude, on va laisser un peu la moto chauffer. Donc, pareil comme la dernière fois, j'espère que le son va être bien, parce que dans la dernière vidéo enduro, je trouve que le son était vachement bien. Après, bon, la moto faisait vachement moins de bruit. Et surtout, on allait beaucoup moins vite, donc il y avait beaucoup moins de vent qui devait rentrer. La dernière vidéo que j'ai fait avec le 300, oula putain, ça les gravions comme ça, tellement les enculés ceux qui font ça. J'ai eu que des retours positifs sur la vidéo pratiquement, vraiment ça, j'étais super content, tous les commentaires, même les messages en privé que vous m'envoyez, tout le monde était super content de la vidéo, donc bah ça me fait plaisir, sauf que la vidéo a presque pas fait dur, donc bah finalement je sais pas si c'était si bien que ça. Après bon, je sais que des enduro vlogs en 300XC, il y en a des tonnes et des tonnes sur YouTube par rapport à des vidéos en sans face, donc après voilà, je me dis que ça doit sûrement jouer un peu dessus. Donc j'aimerais bien faire une vidéo sur deux en 50, histoire que, bah, que ma communauté sur YouTube soit pas basée que sur 50, parce que bah, je vous le cache, au bout d'un moment le 50 j'arrive. Les gars, par contre, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, genre un gros souci là-dedans. Je ne pense jamais à ce putain de frein. Quand je suis en l'air, mais c'est... j'y pense pas du tout. Bon, par contre, là, vraiment que je chire dedans beaucoup plus en plus. La consommation, c'est vraiment un truc de malade. Là, mais vraiment, mais je sais pas pourquoi, tous les virages que je prends maintenant, il n'y a que des gravillons. Et là, putain, les nouvelles routes, elles sont tellement bien. C'est vraiment des super spots, ça, avec des potes à chauffer. On vient toujours là sur ces routes-là. C'est des routes qui sont destinées normalement qu'aux camions, donc il n'y a presque jamais une voiture. Putain, parce que maintenant, trouver un bout de route fermée, c'est tellement compliqué. Bon, par contre, là. Je sais pas si elle est un peu grasse ou si elle a une bougie qui a pré-claqué. Les bougies elles claquent une de si vite, hein, je comprends pas du tout pourquoi, pourtant je suis pas si gras que ça. J'adore ce moteur. Vraiment les tours que ça prend, c'est une dinguerie. Vraiment c'est dingue pour un diamètre 52 les tours que ça veut prendre. Genre moi à l'époque quand j'ai mon 50 WR, je me disais là, c'est un kit 50, en plus un bidalo, c'est le truc à prendre les plus de tours de tous les kits. Et là putain je crois même le 100 face prend encore plus de tours que le 50 bidalo. Et pourtant en proportion j'avais une meilleure config sur le 50 bidalo que sur le 100 fast. Vraiment ce cylindre c'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Oh, par contre le bruit c'est n'importe quoi.
Je sais pas si vous avez vu, normalement je devrais avoir acheté un pot Must 80-90 passage eau. Bon, je sais que de toute façon ça la bridera forcément, mais j'ai envie d'avoir un passage eau pour changer. De toute façon, je trouve ça beaucoup plus beau un passage eau. Et puis essayer d'adapter mon silencieux d'origine que je recouperai pour faire quand même un peu moins de bruit, parce que là c'est un peu n'importe quoi. Vous déranger et faire éclater vos tympans, les insultes qui seront criées dans les prochaines secondes seront coupées et remplacées par une petite musique douce. Au pays de Toupie, on rigole bien avec la loutre Doudou et les copains. Attention, attention, ça commence. Ce matin, il fait beau, venez chanter ce refrain. La 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 la. Qu'est-ce que je vois ça? Serré propre, hein. Oh là là, fait chier. Je pense que ça fera une bonne vidéo YouTube, hein, mais bon, j'ai un peu le seum, je vais pas vous mentir. Oh putain, j'entends un bout de truc qui tombe dans le pot. Mais bah ça peut fumer, hein. Insérable face ce qu'ils disent les autres, ça me fait rire, putain. Oh putain. Puis ce qui me fait chier en plus, c'est qu'il n'y a aucun cylindre qui en stocke nulle part en ce moment. Puis bon, on va pas se mentir, j'avais autre chose à faire que acheter un cylindre à 500 euros. De tous les kits que j'ai eu, j'ai serré que mon origine. 50 mètres à kit, jamais serré, 50 bidello, jamais serré, 70 bidello, jamais serré. Et il faut que je serre un putain de Saint-Fast. Oh là, putain. Est-ce que mort pour mort, je le redémarre? De toute façon, mec, on se redémarrera pas, regarde. Jean. Pas du tout, moi. C'est cool vraiment. Plus de trop, je vais me faire buter par une voiture quand je vais marcher sur la route. Aïe aïe aïe. En plus je suis vraiment au milieu de rien du tout. En plus ça était même pas chaude. La chauffait même pas, c'est ça le pire. Vous conseillez de pousser de quel côté pour pas se faire écraser par une voiture. Putain. Putain, j'espère qu'au moins cette vidéo va faire plein de vues, parce que putain. J'espère que... Franchement, je l'ai jamais demandé, mais si vous pouvez partager cette vidéo vraiment à tout le monde,
Puis les serrages en face, je pense qu'il y en a plus 50 sur YouTube. Oh là là, j'ai tellement le seum, putain. Il est vachement bien ce tirage. Hein. Je sais même pas en plus si dans la vidéo ça se ressentait. Moi j'ai l'impression qu'elle marchait toujours. Hein. Quand j'ai doublé la voiture, la 4ème, 5ème, 6ème, elle tirait bien. Plus c'était la première fois que la 5. Oh putain, je me fais peur. Oh putain, ça me fait trop peur. Gizou. Mettre le rétro. Ça sert à rien, je vois même pas. Première fois que la 5 et la 6 ça passait grave bien. Putain. Ah, et puis serré net, hein. Tu sais, des fois quand tu serres, c'est. Ah là, non. Boum. Martin dans la tech. Bon, bah, en tout cas, j'espère que le peu de vidéos qu'on aura fait en roulant, ça vous aura plu, les gars. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne. Et bah, la prochaine vidéo, ça sera sûrement le démontage. Pour la gueule qu'il a, le silinte. Donc, bah, abonnez-vous pour rien rater par la suite.